Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike, et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de détruire des cachettes. Alors moi, ce que je vous conseille pour réaliser ce défi, c'est de vous rendre au verger qui se trouve juste au-dessus de Corny Complex et juste en dessous de Craggy Cliff. À cet emplacement, il y a plus ou moins 5-6 cachettes que vous allez pouvoir détruire. Donc déjà, la première cachette, c'est la botte de foin que je me suis cachée dedans. Donc là, par exemple, vous la détruisez et ça vous valide la première cachette. Ensuite, vous avez d'autres cachettes autour du magasin de fruits et légumes. Alors, vous avez une poubelle qui sert de cachette sur la gauche du bâtiment et vous aurez aussi deux toilettes qui servent de cachette sur la droite. Vous pourrez le voir dans le gameplay. Alors, ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est de détruire 3 cachettes. Donc là, je viens déjà de vous citer 4 emplacements de cachettes. Il faut savoir aussi qu'en face, il y a Pizza Pete, si je ne me trompe pas. Et derrière Pizza Pete, il y a aussi une cachette qui est une poubelle. Donc, vous pouvez aussi détruire cette poubelle. Alors, bien entendu, des cachettes, il y en a vraiment un peu partout sur la map. Si vous êtes attentif, vous regardez un peu à gauche, à droite des bâtiments et vous trouverez des cachettes facilement. Donc, le but, c'est de détruire 3 cachettes pour terminer le défi et débloquer 30 000 XP. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soit Cool Mec et ciao, peace.